Lors d'une échauffourée, le tonfa est tombé au sol. Je le ramasse, l'individu tente de venir me saisir. Je peux me dégager avec des clés en tomahawk, que ce soit la main droite ou la main gauche, par l'intérieur ou bien par l'extérieur. Je peux percuter, talon, pointe, également avec la tête de poignet, pour l'empêcher de me saisir. De même, si le tonfa a été ramassé façon épée, je peux maintenir une distance de sécurité par des percussions ou bien par des frappes en circulaire ou en revers. Sur les tentatives de saisie, on va voir, essaye d'attraper. Attrape, attrape, attrape. Ah. Dans le niveau 4, vous verrez beaucoup de moyens d'amener tenus tomahawk. Si, lorsque je m'approche pour effectuer un moyen d'amener en garde passive, au dernier moment, l'individu s'agrippe à moi. Je peux me dégager et contrôler l'individu en enroulant le bras par le dessous, en venant contrôler avec la main libre entre mon thorax et son bras, venir saisir en pronation la poignée, verrouiller le bras contre le tonfa et cisailler en reculant. Au sol, on va au sol, on s'allonge. Le tonfa a été ramassé en tomahawk. Je dois subir une saisie, je me défends sur la saisie. Je peux percuter, je peux repousser au niveau de la gorge, je peux également faire des clés pour amener au sol. D'autres possibilités. Récupérer, toujours contrôler. Saisie, saisie au col, ramassement de jambes en crochet, repousser sur la gorge. Et possibilité de contrôle.